Donc vous avez compris qu'on est à votre service, donc vous avez vu que l'équipe a été un petit peu déséquipée. Il y en a deux qui sont partis faire ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire transférer du poisson des bassins pour les mettre en filet pour mieux vous servir dans la pisciculture. Donc du coup, ils se retrouvent un petit peu moins nombreux à décharger les monstres de l'Inde. Et donc là, on a pris des grandes traînades, comme on dit, hein, les grandes épuisettes, mais on met qu'un poisson par épuisette. Et encore, ils ne veulent pas rentrer. Oui, mais et comment vous allez essayer? Il va falloir le couper. Donc là, on va progressivement sortir le poisson et charger le camion qui s'y colle du domaine. Habituellement, on charge les camions des clients comme ça. Donc vous voyez les rotations qui se mettent en place. Quelqu'un charge et sort les plus grosses pièces en pliant les cinq garde toujours la même espèce. Ensuite, on les met dans les bassines pour partir à la pesée. Et enfin, on les met dans les différents cuves du camion. Alors, il y a plusieurs cuves pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet de faire un premier tri par espèce. Par exemple, on met une cuve avec de la tanche, une cuve avec du brochet, ça c'est assez facile à comprendre. Ça permet aussi de limiter la casse en cas de problème. Si on a un poisson qui se sent mal et qu'on fait un grand voyage, il est potentiellement capable de contaminer les autres poissons. Donc comme ça, on n'a qu'un sixième du chargement qui passe à la trappe. Et ça permet aussi de diffuser de l'oxygène différemment dans chaque bassin. Les poissons n'ont pas la même négligence en transport. Donc là, quelqu'un m'a fait remarquer tout à l'heure que les poissons, ils n'avaient pas 2 ans. Alors je vous ai dit, la vidange du grand étang, c'est une vidange après 2 ans en eau. Alors effectivement, on a l'habitude de faire, certains des fois, quand ils nous critiquent, nous disent, vous faites des chaleurs. Et c'est vrai qu'on fait des transferts de charge. Il y a des étangs dans lesquels on fait pousser les petits poissons, les alevins qui ont la vésicule qui est résorbée, jusqu'à devenir un poisson qui a 2 étés. Ça veut dire qu'il y a 2 ans en fait. Et ensuite, les poissons sont, à l'occasion des pêches, repliés et réalignés. Et progressivement, après 2 ou 3 transferts, on a des poissons qui deviennent marchands, voire plus.